Salut, salut, bienvenue sur l'Instant Math. Dans cette vidéo, je te propose de traiter une question qui est tombée au brevet, sujet Amérique du Nord 2024. Une question vraiment costaud sur les ratios. Et vraiment, les ratios, ça inquiète les élèves. Alors dans la question C, tu vois apparaître les masses de ciment, gravier, sable sont dans le ratio 2 pour 7 pour 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut déjà qu'on traite la question B tout d'abord. Alors dans la question B, on nous dit quoi? On nous dit que pour faire 1 mètre cube de béton, il faut 250 kg de ciment. Quelle masse de ciment en kilogrammes doivent-ils acheter pour réaliser 4 mètres cubes de béton? C'est une situation de proportionnalité, d'accord? Donc, si tu dois faire 4 fois plus de béton, tu dois avoir 4 fois plus de ciment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 250 x 4 et ça fait 1000 kg. Donc, il est nécessaire de prendre 1000 kg de ciment pour produire 4 mètres cubes de béton. On sait donc maintenant qu'il faut 1000 kg de ciment pour 4 mètres cubes de béton. Et là, on va revenir sur notre ratio. Donc, on avait un ratio de 2 pour 7 pour 5. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, moi, je vais te le dire en ajoutant un mot, c'est le mot dose. Et tu vas voir, ce mot, il va nous permettre de mieux saisir ce que c'est qu'un ratio. Donc, il faut quoi? Il faut 2 doses de ciment pour 7 doses de gravier pour 5 doses de sable. Et il faut effectivement que la dose soit identique, d'accord? Ici, la dose, ça va être en kilogrammes, tu vas voir. Donc, nous, on sait maintenant qu'il faut 1000 kg de ciment pour 4 mètres cubes de béton. Donc, on va considérer que les 1000 kg, c'est 2 doses de ciment, ok? Et du coup, on sait que pour 2 doses de ciment, il faut 7 doses de quoi? De gravier. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une seule dose? Une dose, c'est la moitié de 1000 kg, c'est 500 kg. Du coup, c'est quoi cette dose? On fait 7 fois 500. Et 7 fois 500, ça fait 3500 kg. Et puis, ensuite, pour le sable, il faut 5 doses. Donc, on fait 5 fois 500 kg, ça fait 2500 kg. Ça y est, c'est terminé. Et donc, pour conclure, il faut 1000 kg de ciment, 3500 kg de gravier et 2500 kg de sable pour produire 4 mètres cubes de béton. Et tu vois, la clé de l'exercice, c'était de comprendre en fait que 2 doses, ça valait en fait 1000 kg. Et du coup, une dose, c'était 500 kg. Et une fois que tu as trouvé ce que vaut une dose, c'est facile de comprendre que cette dose, c'est 3500 kg. Et 5 doses, c'est 2500 kg. Rappelle-toi de cela pour le brevet. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker. Et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao.